News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Mott. Bienvenue au Jardin, Patrick Mulan, Roland Mott. Le printemps n'est pas là, donc il faut être toujours prudent, mais on a envie qu'il arrive. Ah oui, ça gratte. Donc ça gratouille, on a envie de sortir au jardin, on a envie de faire beaucoup de choses. Alors qu'est-ce que tu vas faire la semaine prochaine ? Je vais m'occuper de la tour hydroponique. C'est un gadget que j'avais commandé parce que je trouvais ça sympa pour tester. J'y ai pris goût. Ça fait 3 ans qu'on l'a, cette tour hydroponique. Et donc là, maintenant, il faut la préparer pour le printemps. Je me suis pris un peu tard l'an dernier. Cette année, je veux vraiment être à l'heure et faire les premiers semis. C'est un gadget ? Il y a 36 alvéoles. Donc, ça nous donne 36 plants quand même sur 1 mètre carré, puisque la tour est en hauteur. On me va 36 plants de quoi ? Basilic, salade, essentiellement des légumes feuilles. Salade ? Oui, salade. Donc, tu arrives à avoir des belles pommes ? Je te montrerai des photos si tu es sage. J'en veux. Mais ça te donne des pommes grosses comme ça. On voit bien à la radio, mais c'est gros comme ça. Ah oui, ça donne des belles choses. Nous avons testé par le passé les tomates, les poivrons, mais c'est pas bien, ça va mieux avec des légumes feuilles. J'avais fait une erreur aussi, j'avais mis de la menthe pour voir, mais là, les racines m'ont un peu envahi. C'était ingérable. Et donc là, maintenant, donc, il faut préparer, voir ce qui a tenu, racheter de la laine de roche, faire le point de ce qui me reste en laine de roche, trouver les graines, évidemment, mais ça va, c'est pas le plus compliqué. Et les fraisiers ? Et les fraisiers, c'est possible également. Alors, mais en semis, hein, on est toujours pareil. On est sur du semis. Pas planter dedans ? Je pourrais, je préfère faire du semis. Ça me permet de contrôler un petit peu, de mieux voir comment ça va pousser. Pendant 10 jours, je ne mets pas d'engrais le temps que ça lève. Et puis ensuite, on va rajouter d'engrais organiques liquides. Le semis permet de voir pousser. C'est fun aussi, mais on récolte. Et finalement, le goût n'est pas si mauvais que ça. On m'avait dit, non, tu vas voir, c'est dégueulasse, ça n'a pas de goût. On va nettoyer des choses dans le jardin. Les plantes vivaces, il n'y a plus grand-chose. J'attends quand même le printemps pour le faire, parce que d'abord, ça me permet de les repérer. Tu sais, quand on a cette vieille tiges toutes sèches, là, au moins tu sais où elles étaient. Parce que oui, quand mais tu là, au printemps, tout, on va commencer à voir les petits machins. Ça commence qui à pointer. Ouais. Il reste encore quelques tiges un peu sèches. Justement, ces petites choses sèches, il faut les nettoyer. Oui, tu prépares tes carrés potagers. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est un travail de fou, ça. Je ne le souhaite à personne. En fait, je vais vider certains carrés potagers parce que j'ai mon compost. Je vais refaire un peu, comme nous l'avions dit dans une précédente émission, comme des buts de permaculture. Je dis comme, hein, parce que c'est pas tout à fait pareil. Tous les carrés ont baissé de niveau. Là, je vais gratter un peu. Je vais utiliser 3 ou 4 carrés pour reprendre la terre qui a été utilisée, pour boucher en les autres, d'autres, en remettre dans les autres. Ça, c'est les plus vieux ou les plus récents que tu prends ? J'essaye de tourner en étant du plus vieux au plus récent. Ça me fait 4 carrés à refaire en totalité, puisque j'arrive au niveau du sol. D'accord. Et donc, je les refais. Compost, un peu de terre, parce que j'ai la chance d'avoir un petit peu de terre, recompost, un peu de terre, et je termine avec un sac de terreau, en général sur le dessus, parce que c'est là où je vais cultiver, j'aime bien que ça soit assez meuble. Après, il faut se débrouiller pour avoir évidemment le compost, même s'il n'est pas complètement mûr, c'est pas dramatique, et puis un petit peu de terre, ça permet d'équilibrer. Mais quand tu arrives à la fin du cycle, il reste donc de la terre assez épuisée, que tu vas remettre dans le jardin, qu'est-ce que tu vas en faire ? Non, je tourne, j'en remets qu'un petit peu chaque fois. Ça vaut plus rien. Non, parce que 4 sur 20 carrés, en 4 ans, j'ai fait le tour. Pour moi, tant que ça pousse, et comme ça fait 10 ans que ça pousse, a priori, je devrais avoir une méthode qui n'est pas trop mal, en tout cas qui me satisfait. Ça le satisfait, bah écoutez, faites comme lui, après tout, c'est vrai que quand on voit son jardin, on peut se dire qu'on peut suivre à peu près ses conseils. On va aussi au niveau des plantes en pot, il y a besoin de faire parfois quelques tailles, quelques nettoyages. Comme tu viens de dire aussi, hein, du surfaçage. Ah oui, surfaçage. Et puis on oublie, alors souvent, moi j'ai des questions sur Internet, des fois, je comprends pas, la plante va mal, on ne rempote pas assez. Le rempotage est capital. Plante en pot, ça se rempote, désolé, c'est comme ça. Voilà, tous les 3-4 ans en moyenne, quand on n'oublie pas. Remettre en route la tondeuse, c'est peut-être un peu tôt quand même encore. Enfin, tu peux la donner à réviser chez le marchand réparateur. On ne va pas tondre encore. Ah non, mais quand ça va être la cohue, là ? Parce qu'on va tous y penser au même moment. Tu vois, le 15 mars, on va dire « Attends, oui, je ne comprends pas, ça ne démarre pas. » Et tous, on va amener ça chez le même réparateur dans notre coin. Et il est tout seul, le pauvre. Et j'arrive, et il y a déjà 30 tondeuses qui attendent. Et donc là, tu te dis « Bah ouais, ça sera dans un mois pour la tonte. » Donc c'est pour ça que c'est bien d'anticiper. Donc si vous avez des tondeuses électriques, il n'y a pas d'entretien au niveau du moteur. En revanche, c'est bien quand même de changer la lame. Moi, j'aime bien changer la lame tous les ans. C'est la bonne méthode pour une raison toute bête, c'est que si elle a pris des coups, il peut y avoir une sorte de déséquilibre
par rapport à l'axe du vilebrequin. Et donc, si la lame n'est pas parfaitement équilibrée, un petit peu comme le parallélisme des roues, eh bien, vous avez une usure moteur qui se fait beaucoup plus rapidement. Donc, changer une lame, ce n'est pas le bout de la planète et ça peut permettre à votre tondeuse de durer beaucoup plus longtemps. On va planter en pleine terre plein de choses. On peut planter des couvre-sols, c'est sympa, hein, sur les talus, sur les pieds des arbustes, etc. Moi, je suis pas un adepte de la permaculture. En revanche, j'essaye aussi de couvrir le sol, mais avec des plantes qui sont très décoratives et qui sont sympas. Dans les régions au climat doux, vous pouvez planter les gerstromia, les albizia, les mimosas qui commencent à être en fin de floraison, mais pourquoi pas les planter aussi maintenant. Bruyères, haies, rosiers, fruitiers, grimpantes, vivaces. Enfin, c'est vraiment maintenant, à condition qu'il ne gèle pas, que l'on peut faire la plupart des très très belles plantations. Et puis vous continuez bien sûr à tailler la vigne, et on peut commencer à tailler les agrumes, et ça on en reparlera un petit peu plus tard. J'espère que vous aurez apprécié cette émission. On va se retrouver tous ensemble la semaine prochaine, et on vous dit bienvenue au jardin. Merci d'avoir regardé notre vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait passer un bon moment. Si vous êtes des passionnés comme nous de plantes, de jardins, de jardinage, de botanique, eh bien vous êtes à la bonne place. News Jardin TV produit énormément de vidéos différentes. Alors notre émission Découverte Jardin, tous les samedis notre podcast Bienvenue au Jardin, l'émission Planète Végétale, l'émission Jardiner ça fait du bien, vous avez de quoi vraiment vous régaler. Alors, n'hésitez surtout pas à appuyer sur la cloche qui se trouve en haut à droite de cette page et vous serez abonné gratuitement et ainsi tenu au courant de toutes nos nouvelles publications. Alors, à très bientôt sur News Jardin TV, bien sûr.